Ouais, Normalement, ça passait, mais il y a moyen c'est parti. d'accélérer, je pense, là. Ouais, largement. J'ai vu un peu la team. Donc là, le problème. Déjà, Valky, c'est trop long. C'est bien, tu vois, mais c'est beaucoup trop long avec la contre-attaque. Tyran, je sais pas trop ce qu'il vient faire là. Ouais, mais je pense qu'il y a plus Ouais, tu peux rapide. jouer Fouchan. Tu vois, déjà ça, je pense c'est mieux. Moi, Parce que vraiment, j'avais bien envie dans de les. tester. Après, je vais regarder les stuffs. Ça, parce qu'après, Fouchan peut être vraiment fort en marque. Hein. Attends, Fouchan, tu sais qu'il peut être très fort. Hein. Il stun de zone et tout. Hein. moi j'avais pensé soit un truc. Non. Ah oui, comme ça, t'es vite crevé. Non, non, non. Seal. Et après, Oui, c'est bon. soit jouer couronne pour passer les vagues, soit jouer cœur froid pour le dragon là, on le dégomme là. Banshee, cœur froid et garde royale à mon avis. C'est les vagues. Après, c'est au niveau des vagues, ça me fait un peu peur. Je vais regarder au niveau des stuffs. Je crois que son garde royale, il est pas terrible. Il n'y a pas les 100% de taux crit. Cœur froid, par contre, ça va, elle est propre. Safe, ça va. Après, là, je pense qu'on peut aller chercher du taux crit. Tu vois, déjà, ça, je pensais mieux. Même ça. Faut voir où ça tombe. Ouais. On va voir. Ma précision, ça m'intéresse pas. Ouais, encore moins. Hop. À mon avis, l'autre sera mieux. Après, ça sera toujours mieux. En regagnant speed, en regagnant taux crit. Ouais, je vais quand même la mettre. Attends, je vais voir en équipé. Ouais, non, du 4 étoiles. Il manque combien en taux crit? Il manque pas mal. Là, il y en a. Si, il y en a un peu. Il y a le taux crit. Après, le dégât crit, au pire, c'est pas trop grave à la fin. Là, il n'y a pas de taux crit. En plus, il y a de la vitesse là. Ah, ça, c'est parfait. On perd un peu en dégâts, mais on a nos 100%. On gagne en speed. Je pense que c'est bien. Là, voilà. Bon, il n'est pas ultra ultra dégâts, mais je pense que ça va le faire. Ensuite, il y avait qui d'autre dans la compo? Du coup, il y avait cœur froid. Bah, cœur froid, elle est propre, hein, je trouve. Elle a pas assez de précision, mais pour le dragon, on s'en fiche. Ensuite, il y a Sylde Drake. Elle est propre, hein, quand même, je trouve. Banshee, ça ira. Et après, à voir si on joue couronne crâne ou. Ouais, bien, elle est propre aussi la couronne crâne. Cette sauvage. Cette sauvage à 100% de taux crit, a pas mal de dégâts crit. Ouais, ça se voit. Non, elle est propre quand même. En cette sauvage, ça va. Par contre, la précision. Ouais, elle a un peu d'affaiblissement, c'est vrai, mais. Je sais pas si c'est super important sur une couronne crâne. Ouais. Moi je crois que c'est que j'avais pas d'autres
PV, il y a de l'attaque, il y a de la speed en plus là. On lui met ça. Enfin, je regarde si Vierge Guerrière elle est bien plus rapide que le reste par contre, du coup. Parce qu'on a monté un peu les speeds un peu partout. Je vais la monter niveau 12. Je vais monter le torse de Garde Royale 16 par contre. On n'a pas de chance hein, pour un niveau 12 là. Ah vache. J'ai l'impression de passer du 15 au 16, tu sais. Ah, c'est bon. Ah là là, on n'a pas de chance. Bon, ça va en termes de speed, je pense, pour le dragon. Vierge guerrière, elle est à peine plus rapide. Elle est quand même plus rapide, donc ça devrait être bon. Par contre, Banshee est plus rapide. Mais à la rigueur, on s'en fiche un peu. Le gant, ouais. Vais monter d'un niveau, il manque un niveau. Le torse de garde royale, et puis on va tester ça. Je pense juste comme ça devrait passer. Par contre, j'ai pas vu ses PV. Ça... Il est arrivé fou. Ah, il est fragile, hein, par contre. Ouais. Monter ça à 12. À mon avis, il n'y a aucune sous-stat PV nulle part, je pense. Ouais. Ah bah, un petit peu de PV. Je vais lui mettre une grosse glyphe. On va glyphe un peu partout. Bon, on tente comme ça. Je mets cœur froid ou couronne crâne? On tente d'abord cœur froid et puis si ça passe pas, couronne crâne. Couronne, je pense c'est plus safe. Allez, je tente la méthode la plus bourrin et puis après, ça passe pas, on réglera. Alors déjà là ça risque de prendre un petit peu de temps. C'était quoi les temps déjà? J'avais pas vu, c'était presque 4 minutes je crois. Oh là là, il prend une sacrée claque. GR. Ça a l'air d'aller les vagues. Hein.
Après, à savoir que Syl, elle est pas book sur son raise. Non, je crois pas, je crois que j'ai regardé, je crois qu'il n'y en avait pas. Je sais plus, je vais regarder après, mais. Ouais, non, là ça. Je pense que ça manque de PV, de def un peu partout là. Ouais, peut-être mettre courant de crâne du coup. À la place de qui du coup? Banshee? GR, ouais, il était trop fragile. Ouais. Après, il a son aura d'attaque et tout, genre. Lui, il faudrait peut-être le changer encore un peu. Le rendre un petit peu plus. Après, je connais pas trop Fushan. Après il est pas book. Deux fois tous les ennemis. Ouais, ouais, 24% de vitesse. Si, il full maîtrise en plus. Ouais. Grand crâne et full maîtrise. Ouais. Comme ça, du coup. Trop rapide par rapport à Vierge par contre. Par contre, il tape fort hein, quand même. La plus dure, c'est la deuxième vague sur le dragon. Le Ordin, il tape fort. Plus de speed aussi, parce que les speeds, il y a quand même quelques champions qui sont un petit peu trop lents. Le dragon, je pense qu'il va pas y avoir de soucis. Banshee et Cœur-Froid, ça va faire un petit carnage, je pense. 486 000. Que les temps ils sont battus là. Ouais. C'était 3,50 je crois. Ouais, le record. 2 minutes là. Hein. Je pense qu'on peut faire mieux encore. Oh,